À une case près. J'ai visé juste. Attendez, j'ai bien lancé l'enregistrement. Hein. Ouais, recording scène. Ouais, c'est bon. Et qu'est boulet, mais qu'est. Ah non, mais moi, je. Ah non, 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 je suis. Je suis un boulet. J'ai oublié de faire l'atelier de découpe. Alors l'avantage c'est que l'atelier de découpe ça va être... bon, je vais vider... Je vais purger, hein. Ça c'est pas un problème. Bon, j'ai perdu quelques pièces pour rien, mais c'est trop fort rien. Alors l'atelier de découpe ça va être le même que celui en bas là. Donc il va pas être très... Voilà, il est pas très très compliqué. On va plutôt faire ça comme ça. Alors, par contre, on va supprimer une grosse partie là. Met ça comme ça. Allez, on met ça comme ça. Donc, je vais avoir une partie qui vient comme ça. C'est juste parce que j'avais oublié l'atelier de découpe. Franchement. Et je me suis planté. Et je me suis encore planté. J'ai inversé les deux canaux. Donc c'est comme ça. Oh, Smith Mac. Bon. Résultat, ouais, de toute façon, ouais, voilà. Résultat, de toute façon, je pouvais pas faire vraiment autrement. Enfin, j'aurais pu faire autrement, mais là, ça demande à modifier beaucoup de choses, en fait. Donc, vaut mieux faire un tunnel, et puis c'est plus simple. Hop, allez. Attendez, parce que j'ai pas compris. Pourquoi j'ai des pièces qui sont pas bonnes?
J'ai des pièces qui sont pas bonnes. Mais pour quelle raison? Là, j'ai encore une pièce foireuse. J'ai des pièces qui sont foireuses et je... Pourquoi? J'ai des pièces qui déconnent. Ça a dû être un problème pendant la purge. Ah, oh, c'est pas vrai, je me suis encore trompé de fenêtre. Hop. Eh, mais là aussi. Ah, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Normalement c'est bon, c'est purgé. Normalement j'ai que des pièces qui sont correctes. Non, j'en ai encore vu une passer. Y en a une qui est coincée là. Je la vois. Et normalement, c'est bon. Bon, c'est bon. C'est la dernière pièce à purger. Et là, c'est bon. C'est parce qu'en fait, vu que les jeunes étaient là avant, bah, il y avait des jeunes dans ces petits conduits-là, là, et qui étaient bloqués aussi dans les conduits, là, à ce niveau-là. Donc, ne pouvant pas les purger, ben, ça posait problème. Bon, mais voilà. Voilà qui est résolu. Et donc j'ai... C'est bon. Ok. Donc déjà... Donc il nous reste plus que des cartes de sphère rouge et des cartes de sphère verte. Et on est bon. Et on est bon. Donc il nous faut... est-ce qu'on a besoin d'aller chercher aussi loin? Là j'ai des sphères. J'ai du rouge pas loin. J'ai du vert. Ça aurait peut-être été plus avantageux que ça vienne de la droite. Mais j'ai pas de sphère à droite, j'ai que des demi-sphères ou des trucs du genre. Si, mais après, si c'est en bas, c'est. Si, j'ai là. Avec du. Ouais, non, mais c'est mélangé, ça, à mon avis, c'est un tout petit truc. Bon, allez, on va prendre ça et il me faut donc. Je vais prendre le vert en haut, le rouge en bas. Et on est parti. Ah, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a plus. Tant pis, on va les faire revenir d'ici. Hein. On va... Ouais, on va faire ça comme ça. Ok, donc il nous faut des ateliers de peinture. Atelier de peinture, attendez. Qui est là? Ça, c'est un atelier de peinture, c'est très bien.
Alors, on va le faire partir comme ça. Donc ça, c'est le premier. Il n'y a pas grand-chose sur celui-là, mais... C'est le second. Ok, donc celui-là, je vais le faire partir. Ouais, on va faire partir ça comme ça. Hop. Voilà, donc ça, ce sont mes sphères vertes. Ici, on a le rouge. Alors, et on va avoir encore un atelier de peintre, un atelier de découpe. Alors pour le vert, ça va pas être compliqué. C'est le même que celui-là. Je suis désolé pour le téléphone que vous entendez. Encore la pub, ça. Hop. Donc pour le vert, c'est pas compliqué, ça va être celui-là. Ah. Est-ce que ça dépasse? Ça dépasse. Tant pis, ça dépasse. Pas grave, on s'adapte. Ok.
Donc là, j'ai mes quarts de cercle droit, supérieur droit, et... Attends, excusez-moi, un instant. Voilà. Et donc, pour cette partie-là... Alors... C'est pas vrai, hein. Je vais t'emmerder... Ok. Bon, ouais, je vais être un petit peu embêté, donc on va réduire, on va descendre un petit peu. C'est pas très grave. Alors d'ici je peux voir. Faut que je descende jusqu'où? Comme ça. Pas grand chose en plus, mais bon, hop, au moins ça rentre. C'est pas ce truc là. C'est pas la bonne config. C'est pas grave, j'ai perdu un petit peu de pièces, c'est trois fois rien. Hop. Parce qu'ici c'est pas la bonne config. Alors c'est le quatrième à chaque fois que je récupère. Le troisième je le fais tourner dans le sens anti-horaire. Le second je lui fais faire un demi-tour. Et le premier dans le sens... Non, j'ai inversé. C'est le premier dans le sens anti-horaire. Et le troisième, je le fais pivoter dans le sens horaire. C'est ça. Ça, c'est ma bonne config. Pour avoir des coins inférieurs gauche. Des coins supérieurs gauche, pardon. Voilà. Ok, maintenant il me faut une nouvelle fabrique. Alors, pour la fabriquer... On va voir comment on fait. Mais hop. On est là. Ouais, on peut faire ça comme ça. Allez, on va faire ça comme ça. Je fais entrer ça comme ça. Donc ici, le sens n'a pas vraiment d'importance, hein. Ils vont être sur le même niveau.
Et donc, j'ai ma dernière pièce. Dernière pièce qu'il faut que je ramène par là où je vais mettre une autre fabrique. Et là, ça va être pareil. Faut que je réfléchisse. On va faire ça comme ça. Parce que là, ça va être pareil. Cette partie-là va venir comme ça ici. Et ici. Je vais avoir donc les pièces donc que je viens de créer qui vont arriver comme ça. Excusez-moi. Hop. Il va me foutre la paix, oui. Excusez-moi, je reçois du message. Et donc je disais donc ça doit arriver, ouais ça doit arriver là. Ça doit arriver donc c'est sur ces deux tunnels là. Et donc de là-bas, ouais, il va y avoir un petit peu de, va y avoir un petit peu de transit quoi. C'est comme ça. Ouais, puis je vais faire passer les tunnels là comme ça. C'est pas. Monte encore tout ça. Ok. Alors, il me semble que j'ai oublié de raccorder là à ce niveau-là. Ok. Et voilà. On a bien la pièce conforme à ce qui m'était demandé. Donc ça pareil, il m'en faut 25 000. Donc maintenant, on va s'occuper du raccordement. Et donc je me dis. On va raccorder ça comme ça.
60, 120. Ouais. J'aimerais vraiment savoir comment on fait ces pièces-là quand même. Mais bon. Je m'enseignerai pour la prochaine session de tournage. Ben de toute façon, voilà, hein, nous on a ces pièces-là qui sont en cours de transit. Voilà quoi. Après, j'ai pas fourni énormément d'explications, mais bon, enfin, je pense que vous avez suivi. On va reprendre, si vous voulez, la création de ce truc-là, en attendant que ça se fasse. Donc simplement, voilà. Donc je produis du jaune, de toute façon, avec du vert et du rouge. Je scinde le flux en deux, l'un pour créer des shurikens jaunes, que je passe dans un atelier de découpe. L'atelier de découpe me sert à faire ces, donc à transformer donc ces, une étoile comme ça en quatre petites aiguilles comme ça. Donc ici, comment j'organise, donc c'est simple, hein. La première sortie, en fait, c'est le coin supérieur droit de la pièce. La deuxième sortie, c'est le coin inférieur droit. La troisième, c'est le coin inférieur gauche. Et le dernier, c'est le coin supérieur gauche. Donc, sachant cela, en fait, après, il suffit de faire pivoter comme on en a besoin. C'est-à-dire que, ben, mon coin supérieur droit, en le faisant pivoter d'un quart de tour vers la gauche, ça fait un coin supérieur droit. Simplement. Le coin inférieur gauche, donc la troisième sortie, si j'en fais un demi-tour, ça devient un coin supérieur droit. Et le coin supérieur gauche, si je lui fais faire un quart de tour vers la droite, ça devient un coin supérieur droit, tout simplement. Je fais ça 10 fois, évidemment, pour, voilà, je multiplie toujours mes machines par 10. Parce que voilà, au moins ça me permet d'avoir un flux constant, d'être sûr de ne pas être en pénurie. Je bufferise quand même, et puis voilà. Ensuite, en bas, bon ben, même topo, hein, avec mon jaune et des sphères, atelier de découpe, et je fais des. Comment dire? Des sphères. Supérieur, enfin des demi-sphères supérieures, c'est-à-dire qu'en fait, ben, la partie de gauche, donc la demi-sphère gauche, je la fais pivoter une fois vers la droite pour avoir la forme, la demi-sphère supérieure, et la partie de droite, je la fais tourner dans le sens anti-horaire d'un quart de tour pour avoir la même forme, et puis voilà quoi. Ensuite, donc je prends mes aiguilles et mes demi-sphères et je les assemble dans cet endroit-là, c'est-à-dire que l'aiguille, ce que j'appelle l'aiguille, doit passer en dessous de la sphère, de la demi-sphère. Puis ensuite, je fais passer cette demi-sphère-là par-dessus une demi-sphère blanche, ce qui me donne cette forme-là. Et cette forme-là, je la fais passer par-dessus cette forme-là, qui est donc un quart de sphère supérieure gauche rouge, avec un quart de cercle supérieur droit vert. Voilà. Et ça, donc, on l'a fait simplement là-bas. Hop. Un peu loin, mais voilà. Simplement, encore une fois, atelier de découpe avec la même idée, hein, simplement. Mais cette fois-ci, c'est avec des coins inférieurs. Des coins supérieurs gauche, et la machine verte, c'est exactement la même machine vue que pour les aiguilles, parce que c'est le même coin dont on a besoin. Voilà. Mais c'est ça, quoi. Et c'est tout simple. Voilà, ça se fait assez simplement en fait. Et donc on obtient la forme qui nous est demandée, donc cette forme-là qu'on envoie, et on est déjà à 6K sur 25. Bon voilà, ça va mettre un petit peu de temps à arriver, et malheureusement on peut pas vraiment progresser sur autre chose en attendant. Et je me souviens plus de la forme qui vient après.
Mais voilà. Donc on... Je vais couper, je vais essayer de me renseigner sur la forme qui nous manque, la forme... hop, cette forme-là. Pourquoi je l'ai pas... Ouais, si, elle est là. Et je vais essayer de me renseigner comment on l'a fait, parce que je... C'est un petit peu embêtant de ne pas savoir la faire. À tout de suite. Bien. Nous approchons de l'objectif. Et voilà. Niveau 22 terminé. Et c'est... Une constante, ouais, c'est pour pouvoir ouais, induire une constante. Ah oui, celui-là. Ah, il est pas simple celui-là. Il est un petit peu sur la même base que. Que comment? Que les. Que les fameuses pizzas là. Vous vous souvenez des fameuses pizzas? Quoi qu'il en soit, attendez. Alors, justement, elle va peut-être se servir. Non, c'est pas ça que je voulais couper, c'était ça. Mais remarque, on va détruire certaines choses ici. Alors déjà, on va avoir besoin de nos aiguilles là, donc en soi, on va garder au moins ça. Et on va avoir besoin de sphères. De sphères bleues. Attendez, que je regarde un petit peu. En fait, c'est ça, hein. Il suffit de faire ces formes-là en vrai. C'est ces formes-là qu'il faut créer. Et on. Alors, en vrai, même. Ouais. Donc, on va supprimer une partie des machines, mais on va en garder certaines. Primo, on va. Alors, on va couper les alimentations qu'il faut hein, pour commencer. Déjà, ici, hop, c'est bon. On a ce qu'il faut. Cette machine-là, on va devoir la modifier. Ouais. Déjà aussi, l'arrivée de blanc, pas plus besoin. Toute cette machinerie-là, on peut la couper. Donc ici, on va avoir une autre configuration. De toute façon. Et en fait, tout ce qui vient après, de toute façon, ça va être coupé et on va refaire, hein. Ça va pas être compliqué. On aura besoin d'un autre atelier, mais de toute façon. Voilà, on va partir ici, de toute façon, sur une purge. Les autres fabricateurs, on les refera. Ça, c'est pas trop un problème. On peut supprimer ça aussi. Vider ça aussi. Ok. Bon, on a une machine déjà un peu plus propre. Ça, on va supprimer ça aussi. Alors, on va aussi supprimer cette sortie-là. Pour le moment. Alors, au niveau, déjà, on va commencer par ça. Que je me rappelle, c'est ça. Donc dans un premier temps, il va nous falloir...
j'ai pas retenu. Coin supérieur gauche et coin inférieur droit. Donc, en gros, il nous faut le 4 et le 2. C'est ça, il nous faut 4 et 2. Ok, on va procéder par moitié. Donc, cette partie-là doit faire un quart de tour vers la gauche. Et la partie 3. Aussi un quart de tour vers la gauche. Là, si je mets des assembleurs. J'ai bien ça. Ok. Donc ça déjà, ça va être notre première partie. Ah, je suis plus aligné, résultat. Ouais, donc ok. Donc les fabrications, enfin les fabricateurs, on les refera intégralement. C'est pas un problème. Voilà, on a déjà notre première partie. Ok. Ensuite, ici, pareil, ça va plus aller. Non seulement ça va plus aller, mais en plus je pense qu'il va falloir que je décale de toute façon, je vais plus avoir la place. Mais de toute façon ça va être le même principe que ça, mais avec une autre configuration. Bah écoutez, si ça semble rentrer, donc bah ça rentre. Bah écoutez, si ça rentre. Ok. Alors par contre, ici, ça va être l'inverse. Et puis il va falloir surtout qu'on fasse du cyan en couleur. Donc il me faut du vert et du bleu. Donc on s'occupera de faire du cyan après et il faudra qu'on l'importe ici. Ici, il faudra qu'on amène du cyan. Mais ça, ce sera pour après. Toute cette machinerie-là. Ouais, on refera des tunnels de toute façon. Hop. On s'occupera de toute cette partie-là plus tard, mais il est possible qu'on s'en serve pour faire le cyan. Donc, on va déjà s'occuper du paramétrage de cette machine. Donc, j'ai dit qu'il me fallait donc l'inverse d'ici, c'est-à-dire des coins supérieurs droits. Donc, les coins supérieurs droits, c'est pas compliqué, c'est cette partie-là. Et coin supérieur et coin inférieur gauche. Coin inférieur gauche. C'est-à-dire que celui-là doit faire un demi-tour.
Attendez, je vais juste. Bien sûr, j'avais pas fait passer assez pour voir ce que ça donnait. Mon kikine. Ah bah oui, logique. Normalement c'est ça. Hein. Et donc celui-là. Celui-là est bon. C'est le coin. Et celui-là, donc c'est le 4. Il doit faire un quart de tour à droite. C'est dingue, j'arrive pas à voir. Non, j'ai un truc qui cloche. Ok, donc c'est pas ça. C'est juste celui-là qui est pas bon. Puis là, j'ai pas vu. Mais ça doit être bon là. Ouais, là c'est bon. Ok. Ça c'est le coin inférieur droit. Ok. Autant pour moi, il doit juste faire un demi-tour vers la droite et ça devrait être bon. C'est ça. Ok. Bien. Ouais, alors évidemment. Par contre. Donc ça, c'est les versions non colorées parce que je voulais faire les tests. Ok. Et maintenant, tout ce qu'il me manque. Ah oui, alors c'est important, c'est l'ordre. Dans l'ordre, le cyan doit passer au-dessus, donc il doit arriver à droite de la machine. Donc on va aller rechercher un fabricateur. Ok, maintenant il me faut le cyan qui arrive par là. Donc le cyan c'est du vert et du bleu. Bah écoutez, pas s'emmerder hein.
Ok, mon bleu il est là. Me reste plus que ça. Et donc j'ai mon cyan qui est là. Va falloir que je l'importe par là. Donc on va juste refaire un petit tunnel ici. Ah, bien sûr. Bien sûr, j'ai des noms colorés qui sont passés. Ah, bon. J'espère qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ah, moi, il n'y en avait pas beaucoup qui sont passés, mais j'en ai eu quelques-uns. Bon, en tout cas, j'ai la forme, enfin, j'ai une partie de la forme qui m'est demandée. Ben, en soi, après, ben, c'est tout. Hein. Maintenant, c'est plus qu'une histoire de rotation. Donc, pour ça, on va utiliser la même stratégie qu'avec les. Si vous vous souvenez, avec les. Les cibles qu'on avait créées il y a quelques épisodes, enfin il y a un épisode je pense. Donc, on va partir de ce principe et on va faire une rotation vers la droite pour tous ceux qui sont. Ouais, pour tous ceux qui sont là. Alors, attendez, parce que la question c'est... Oui, ok, d'accord. Sauf que là, il faut que juste que je remette. Dans quel sens? Ok. Ouh. Alors, ok, d'accord. Ça va pas être évident. Bon, j'ai déjà une première partie hein, dans tous les cas, et après, en fait, cette part. Enfin.
C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Je vais t'emmerder. Je vais t'emmerder. Non, je vais pas être emmerdé, c'est bon. Alors, si je fais ça, ma priorisation, elle est où? Elle est en haut, nickel. Donc ça change pas. Par contre, ce chemin-là va devoir changer. Donc, je refais une fabrique. Et... Par-dessus. Non, par-dessous. Et si je dis pas de bêtises, donc, cette partie-là va venir comme ça. Alors, ça va être un petit peu tendu, hein. Je vous le cache pas. Parce qu'en fait, j'ai ce coude là qui est pas ouf. Et si je passe comme ça, normalement, ça devrait le faire. Alors, évidemment. Allez, dis-moi que c'est la bonne forme. Faut juste l'inverser. Donc c'est bien la bonne forme, mais il faut juste la faire pivoter. Et là, j'ai la bonne forme. Par contre, j'annonce, ça va être tendu de la craie. Parce qu'en fait, ma prod là, je la divise par 3, quoi. Donc ça va mettre un certain temps. Et il m'en faut encore 25K pour... voilà. Bon, l'avantage, c'est que voilà, le... Ça veut dire le tunnel est toujours là. Je produis que dalle. Ah, c'est l'enfer. Bon, ici dans l'ensemble ça va. Je pense que dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est laisser le stock ici augmenter un petit peu. Histoire de saturer un petit peu, comme ça au moins on peut augmenter la production d'un seul coup, quoi, parce que... Mais il faut savoir qu'en fait, ici, ben en fait, je... Ouais, bah oui, c'est logique, hein. En fait, c'est juste trois fois la même forme, donc en fait... Et ben je consomme trois pièces comme ça pour pouvoir créer une pièce comme ça, quoi. C'est un petit peu l'enfer. C'est un peu beaucoup l'enfer, même. Ici, je sais pas pourquoi ma prod elle galère à ce point.
Ouais, juste laisser ça se remplir. Et, mais voilà, ça c'est la prochaine pièce qu'on envoie donc. Donc en fait c'est divisé par 2 ici, puis encore par 2 ici quoi. Enfin, un des flux est encore divisé par 2 ici quoi. Ouais. Bon bah honnêtement, je vais faire tourner ça hors caméra. Bon, quoi qu'il en soit, donc on va nettoyer un petit peu. Parce que donc, il y avait toute cette partie-là qui était devenue inutile. Ah zut, mais tu vas prendre ma touche contrôle ou comment ça se passe? Ici, ok. D'accord, ici j'avais un souci, c'est pas grave. Voilà. Ici, c'était quoi? Oui, c'est parce qu'ici, il me restait du blanc, c'est ça. C'est ça. J'ai encore une machine à blanc ici, éventuellement, si j'ai besoin. Parce que je les ai là parce que c'est les usines les plus chiantes à faire.